C'est une information qui nous est parvenue. Une tentative de coup d'État a été déjouée au Mali selon plusieurs sources concordantes dans la capitale Bamako. Plus d'une quarantaine de soldats ivoiriens et des éléments de l'armée néocoloniale française ont été arrêtés à l'aéroport international de Modibo Keïta. Selon des officiers maliens que nous avons pu contacter, les hommes arrêtés disent avoir agi sur instruction de la France et du dictateur Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Les images que vous venez de voir ont été filmées dans la capitale malienne. Les autorités maliennes de transition ont décidé de mettre un terme à la coopération militaire avec l'ancien pays colonisateur, qui est d'ailleurs accusé par une large partie de la population malienne de soutenir les groupes terroristes dans la partie nord du pays et dans la région du Sahel. Plusieurs vidéos et communications audio l'attestent. Une rupture que l'oligarchie raciste française refuse d'encaisser. Macron est obligé d'activer ses valets locaux pour ensanglanter le peuple malien qui ne demande qu'une seule chose, le respect de sa souveraineté. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines publications. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente journée. Merci de vous abonner. Au revoir.